Salut tout le monde, c'est Milik, j'espère que vous allez super bien. Alors là aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup de personnes se posent quand ils créent une boutique Shopify. Comment enlever la petite phrase tout en bas à droite, commerce électronique propulsé par Shopify. Alors là, j'utilise le thème Brooklyn, mais ça sera la même chose pour tous les thèmes. Alors, c'est tout simple, vous revenez sur l'interface d'administration, il n'y a que deux ou trois étapes. Vous allez sur Online Store, puisqu'on veut modifier le thème. Du coup, vous restez sur Thème, vous mettez la souris sur Action, vous cliquez, vous allez sur Edit Code. Je vais vous mettre les étapes dans la description de la vidéo, donc pas d'inquiétude. Vous allez à Section, et nous on veut modifier le footer. Le footer, c'est le pied de page. Donc vous allez sur Footer pour liquide. Vous faites une recherche par mot. Alors moi, je suis sur Windows, donc vous faites CTRL-F, et vous tapez URL. Et là, vous voyez, il y a ça qui s'affiche. Voilà. Vous sélectionnez. Alors après, il y a deux solutions. Là, vous voyez, dans ce code, il y a la date qui correspond à ça, le C2017 Capitaine K. Ensuite, Shop Name, Link To, c'est ça. Et là ensuite, on a une balise BR. La balise BR, ça veut dire sauter une ligne. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'il y a après. Et je m'arrête juste avant la balise P. Voilà. Parce que la fin de balise P correspond à la balise qui est en début de phrase. Donc on est obligé de la laisser. Vous cliquez sur Save. Vous revenez sur le site, vous actualisez, et c'est disparu. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez simple. Je vais vous mettre les étapes dans la description de la vidéo, donc pas d'inquiétude. Si vous avez la moindre question par rapport à un thème ou par rapport à cette technique, n'hésitez pas. Je sais qu'il en existe d'autres, mais c'est celle que j'utilise le plus souvent. Et au moins, je suis sûr que ça fonctionne. Allez, à plus tard. Je vous souhaite une très bonne journée. Et encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. Bye bye.